Excusez-moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que l'entrepreneuriat vraiment amène l'entrepreneur à la liberté comme peut, comme le chef de la liberté? Il ne peut pas être, l'employé de quelqu'un. Il ne veut pas être employé de quelqu'un. Donc, il veut créer lui-même qu'il soit plus à l'aise. Ça, mais est-ce que vraiment ça répond à ce que vous voulez chercher à l'univers? Je n'ai pas eu de répondre. Je n'ai pas la réponse à la C'est bon? Vous suivez et puis vous allez donner votre point de vue. Faut parler fort. Oui, je ne vais pas être sous la domination de quelqu'un d'autre, se sentir libre en faisant, en accomplissant soi-même ses propres tâches. Mais cette forme de liberté-là, est-ce que ça ne te rend pas encore plus ce type de liberté que tu recherches? Est-ce que ça ne te ramène pas à zéro dans un truc où ça, tu vas travailler plus encore? Quand tu travailles plus que ça, tu n'as plus de liberté même, en quelque sorte. Tu te dis que tu es libre, mais tu n'es pas libre, puisque tu as plusieurs tâches à faire. Et en fin de compte, tu te retrouves avec rien même, peut-être. Côté agent et autre, tout ça. En fin de compte, tu te retrouves avec rien, parce que tu as des charges. Tu n'as pas de tout. C'est vrai que quand tu entreprends toi-même, tu dois mettre en place, ça veut dire que tu dois embaucher ton premier employé et ainsi de suite, afin d'arriver dans ton entreprise. Maintenant, quand tu arrives dans ton entreprise, c'est vrai que tu n'auras pas trop de temps à t'accorder à toi-même. Et quand on a parlé de la différence, que quand on a parlé de la liberté dans ce sens-là, pareil, je prends l'exemple du travail dans ton entreprise. Et c'est l'heure de la descente. Mais on t'envoie un mail de si ton patron dit qu'il a besoin de tel travail avant de se faire. Pourtant, si tu es toi-même ton propre patron, tu ne peux pas t'envoyer mais à toi-même pour dire que tu as besoin de travailler à la maison. Tu peux faire le travail à la maison. Mais quand non, c'est ça, c'est même qu'on a fait un bout de million. C'est pas une action de gestion de base de l'économie. Oui, c'est ça. Pépèce. La liberté dont il parle là, c'est quel genre de position? La liberté, ça c'est. Parce que il y a des notions qu'on dit, en fait. Ma liberté, oui. C'est pas de la liberté.
moi, je ne suis pas une gens sur la terre. Ce que moi, je connais, on dit quoi? Ma liberté, ou bien, voilà, s'arrête. Liberté en termes de temps, que ce soit liberté en termes d'argent. Donc, mon ami, augmente tes prêts de femmes. Vous travaillez pour quelqu'un. L'argent du beurre, le sucre, l'argent du sucre. Le cuisinier me fait un c'est bon, non? Voilà. Donc, arrivé au moment, on fait une choix de c'est bon? Il y a des gens là. Il y a des personnes qui n'aiment pas recevoir d'autres. C'est bon? Donc, moi, je sais qu'il y a un broker. Je ne vais pas recevoir d'un de quelqu'un. Ce n'est pas la peine de passer par le coup. C'est bon? Donc, j'ai cette liberté-là de pouvoir travailler pour moi. Mais le fait d'avoir cette liberté de pouvoir travailler pour toi-même, je ne veux pas dire que tu es libre en tant que tel. C'est bon? Parce que tu as fait le choix, c'est bon, de travailler, d'être comme ton propre patron. On a dit qu'il faut pouvoir répondre à certaines besoins. Le client t'appelle et te dit, moi, j'ai besoin de ma marchandise avant 10 heures. C'est ton patron. Mais il a passé une marchandise. Tu dois pouvoir me satisfaire. Du coup, tu ne seras pas libre. Parce que tu dois pouvoir aller acheter sa marchandise et envoyer sa marchandise. C'est bon? Mais pour toi, c'est une satisfaction. Parce que tu es ton propre patron toi-même. C'est bon, non? C'est dans ce sens qu'on a parlé de liberté. Ok? Monsieur. Oui. Moi, je pense qu'il y a plus de personnes qui travaillent pour toi. Bien sûr. Parce qu'à la fin du mois, comme tu l'as dit, tu as des charges. Tu dois payer des gens. C'est bon parce que tu travailles avec des personnes. Tu dois payer le local. Tu dois payer l'électricité. Tu dois payer. Donc, toi-même, tu dois être toujours en constant. Mouvement, en train de bouger pour pouvoir atteindre des objectifs. Parce que toi-même, tu te fixes des objectifs. C'est bon? Donc, la liberté, là, c'est de l'autre côté. C'est pas dans le sens que, sinon, tu as plus de pression que quelqu'un qui travaille avec une autre personne. D'abord, tu donnes des ordres. Tu n'as qu'à exécuter. Mais comme toi-même, tu veux être ton propre patron, donc, Ils ne seront pas libres, en fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est bon? Je veux dire que... Oui, je te rejoins, c'est que entreprendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et on l'a dit sur le début, que comme la première, il a donné un exemple dans son business plan. Il a dit, tu te fixes pour la première année 1 million et tu te rends compte que tu as 500 000 de bénéfices. Mais tu n'as pas atteint ton objectif. Il y a plusieurs facteurs, mais il faut savoir se relever. Comme le même disait, vous avez dit, il faut savoir se relever. Il faut toujours reprendre, en fait. C'est bon? Donc, entreprendre, ce n'est pas vraiment facile. Voilà. Bon, on va à la pause. Il est quelle heure? 11h11. On va à la pause. Bon, 5 minutes. 5 minutes. Ok, on reprend à 11h20. On reprend à 11h20. En ligne, vous m'entendez? On reprend à 11h20. D'accord.